Et salut les amis, c'est Prime Furious, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Et aujourd'hui nous allons tester quelque chose de très important, quoi, en tout cas pour moi. C'est un paro méga néon les amis, c'est incroyable. Un paro méga néon, Shannon a réussi à en obtenir un en faisant des trades. Elle a échangé la Gigi néon contre un Shadow néon les amis, vous entendez bien, un Shadow néon. Et derrière elle a échangé le Shadow néon contre le paro méga néon, qui vaut largement plus hein. C'est incroyable. Regardez comme ce pet, il est magnifique. C'est un truc de ouf. Donc là, nous allons essayer de l'évaluer. Nous allons voir ce qu'il vaut. Moi, je suis extrêmement curieux. Faut savoir que Shannon souhaite obtenir donc un All Mega Néon. Voilà, c'est son souhait. Elle veut avoir un All Mega Néon. Donc vous allez vous demander, mais pourquoi Shannon n'est pas avec toi dans la vidéo? Ben tout simplement parce que Shannon avait des devoirs à faire. Elle avait des trucs à faire. Donc du coup, j'ai décidé de faire la vidéo dans mon coin, tout seul, comme un grand. Voilà. Donc on part de là, les amis. On va aller directement au centre-ville et on va tester et voir un peu ce que donne ce pet, parce que je suis extrêmement curieux. Bon, à mon avis, les trades là, ça va se jeter sur moi, ça c'est sûr et certain. Alors on va tester, on va voir. Donc me voilà avec le paro méga néon, un truc de ouf, c'est la première fois que j'en ai un hein. Donc je vais juste voir ce qu'on va me proposer. Oh regardez, d'entrée, bon ben là c'est clair hein. On va voir ce qu'on me propose contre ce pet de malade. Voilà, Frost, bon là il n'y a rien de bien exceptionnel, c'est ce qu'on propose contre un Shadow hein. Voilà, donc on va voir la suite. Attention, hop. Voilà, on va voir ce qu'ils ont dans le sac, les gens, hein. On va voir. Wow, d'entrée. Oh, ça envoie du néon, là. Là, ça envoie du néon. Regardez, il met le paquet griffin néon, m'en propose rarement. Là, il a mis tout ce qu'il avait dans le sac. Alors, toi, tu me proposes quoi? Boah, déjà, méga néon. Alors, avec des dragons. Non, mais bien sûr, ça ne vaut pas, hein, forcément. Là, on est sur un paro, quand même. Je suis curieux, je veux voir s'il y a beaucoup de méga néons. Parce qu'en fait, les gens en ont plein des pets méga néons. C'est juste qu'ils ne les tratent pas, tout simplement. Oh, un Arctic Fox, c'est mignon ça. Une girafe. Oh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une girafe en deuxième là. Une starfish. Ah, bah du coup, il a enlevé l'Arctic Fox. Il est en train de faire quoi là? Ouais, Ginger Cat, bon, ça m'intéresse pas l'ami. C'est gentil, mais ça m'intéresse pas. Donc, faut savoir qu'avant d'aller faire l'échange, avant que Shannon ait le paro méga néon, je suis allé me renseigner et on m'a proposé un Diamond Dragon pour avoir le paro méga néon. C'est avant même que je l'obtienne, j'ai juste fait un test pour voir et on m'a proposé un Diamond Dragon. Et là, j'ai dit, bon, forcément, ça vaut. Parce que les Diamond Dragons, quand vous échangez un Shadow Néon, on vous le propose pas, hein. On vous dit non à chaque fois. Voilà. Alors, faites voir ce que donne ce paro. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Snowboard Adopt Me 1. Ben ça, ça a l'air d'être valeur quelque chose, parce que c'est la première fois que je le vois cet objet. Ça doit être un vieil objet du jeu. Mais bon, de là à l'échanger, ouais, ça doit valoir super cher, parce que pour qu'il me le propose, je me demande ce que c'est, mais il faudra que j'aille regarder, faut que je m'en renseigne. Me voilà sur un nouveau serveur, les amis, on va regarder ce qu'il y a, ce qui traîne sur le serveur. Normalement, on devrait avoir quand même pas mal de propositions, parce que j'ai vu qu'il y avait une girafe méga, une girafe néon, j'allais dire méga néon, moi. Alors, hop, et on met le paro. Wow, le hall néon, mais... Là, oh, la tortue néon, le kangourou néon et le kitsune néon. Non, ça m'intéresse pas. C'est Shannon, ce qu'elle veut, c'est un all méga néon, les amis. C'est un méga néon. Là, oh, la girafe néon d'entrée, normal, comme ça. Il vous la balance, regardez, dragon néon avec. Ouais, là, vous voyez, parce que ça, avec ça, vous avez un shadow néon, déjà. Hein. Donc, bon, peut-être un peu plus, mais... Ouais, très rapidement, là, ça commence à envoyer du pâté. Donc, je suis curieux de voir les pets qu'on va me proposer. C'est un truc de fou. Moi, j'adore proposer des pets comme ça. Parce qu'au moins, ça permet de voir un petit peu les gros trades qu'on vous fait sur le jeu. Et ce qui possède vraiment les joueurs. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent pas leurs pets, en fait. Ils font comme moi. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas vous balader avec un pet que vous voulez pas trade, hein, de toute façon. Ouais, il y a tout le monde qui me marque My Dream Pet. Deux tortues méga néon. Oh, c'est la folie, là. C'est la folie. Deux tortues méga néon, c'est un truc de dingue. Alors bien entendu les amis, je ne vais pas accepter le trad, même si je me demande si ça vaut pas plus. Parce que avec deux tortues méga néon, déjà une tortue méga néon, vous pouvez avoir un pas de dragon néon. Voilà. Là déjà, là c'est du très lourd là. Là c'est du très lourd. Je sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, j'accepterai pas parce que Shannon, c'est pas ça qu'elle veut comme trad. Mais en tout cas, c'est la folie, c'est la folie. Deux tortues méga néon. Je savais même pas qu'il y avait des joueurs qui en avaient deux. Alors là, je sens qu'il va me proposer le Kitsune Méga Néon, vous allez voir. Hein. Kitsune Méga Néon, là, c'est sûr. Tortue Méga Néon, Tortue Méga Néon. Ah, il lâche pas l'affaire, hein, en fait. Oh, il a rajouté un King Monkey. Là, c'est un trad de ouf. Là, je sais pas ce que vous feriez à ma place, mais... Bon, moi, de toute façon, j'accepte pas, ça c'est clair et net, c'est pas mon pet. Donc, voilà. Alors, un Kitsune Méga Néon et des pets néons. Bon, là, on est en dessous, quand même. Vous avez vu le trad juste avant, là. Et pour le moment, il n'y a rien qui équivaut. Il n'y a rien qui vaut... Il revient à la charge. Qu'est-ce qu'il va mettre cette fois? Je lui ai refusé deux fois les deux tortues méga néons. Hein.
Ah, il a accepté, là, il a accepté les... Ça y est. Ben non, je suis désolé. Mais là, ça m'intéresse pas. C'est pas mon pet, je ne le traite pas. Mais oh, c'est dingue. Non, mais attendez, là. Attendez. Propose un shadow néon. Ah, je vais refuser. Vous allez voir, regardez, le shadow néon. C'est comme ça qu'elle a eu, Shannon. Hein. Elle a mis un shadow néon, elle a obtenu le paroméga néon. Vous allez voir, le shadow néon, les amis. Vous voyez quand même. C'est dingue. C'est dingue. Alors, je vais le refuser, bien entendu. Vous allez voir, je vais le refuser. Par contre, s'il met le Shadow Néon et la Tortue Méga Néon, là, vous êtes sûr que j'accepte. Bon, il met pas plus. Vous voyez, quand même, il s'arrête au Shadow Néon, il met pas plus. Hein. Il rajoute des trucs. Il rajoute des trucs, c'est fou. Shannon, elle a pas payé cher. Hein. Vous vous rendez compte? Regardez, il me le propose. Hein. Ça veut dire qu'elle a fait vraiment une affaire. Hein. Regardez tout ce qu'il rajoute. Un Shadow Néon plus des pets pour l'avoir. Je vais refuser, je vais refuser, on va monter l'enchère. Mais vous vous rendez compte pourquoi il ne faut pas accepter de suite les trades? Parce que quand vous acceptez de suite, en fait, la personne, elle peut pas surenchérir. Il faut toujours la laisser surenchérir au maximum. Si elle veut vraiment le pet, elle va mettre le paquet. Là, s'il me rajoute la tortue méga néon, c'est un truc de ouf. Non, il va pas le faire. Ah, faut être un dingue, là. S'il met une tortue méga néon, plus c'est un frost, un shadow méga néon, c'est qu'il est fou, le gars. Non, non, voilà, je refuse, je veux pas, je veux pas. Bon, là, il a laissé tomber. Là. Là, je pense qu'il allait, me mettre son sac, le gars, quoi. Bon, tortue méga néon. Voilà, parce que c'est... Ouais, c'est une tortue méga néon, ça. Hein. Ouais. Je vais lui proposer un frost néon, tiens. Frost néon contre ça, voilà. Là, là, je fais une affaire, là, c'est ça. Ouais, bah, il a refusé, forcément. Bon, mais c'est fou, vous avez vu les trades normales, les gars. Ils vous lâchent les trucs comme si c'était normal, quoi. Pas une tortue... Bon, mais non. Non, pas du tout, là. Bon, allez, on change de serveur. Et nous voilà sur un nouveau serveur, les amis. Et cette fois, ben, on va voir ce qu'on va nous proposer sur celui-ci. Je vois pas de méga néon pour l'instant, mais peut-être il y en a qui en ont dans les sacs. Hein, parce que généralement, on porte, quoi, du moins, on se met sur le pet qu'on veut trad. Hein. Donc, on va voir. Attention, c'est parti. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? Un Arctic Render. Ok, ouais. Ben non, hein, forcément. Hein, voilà. Essayez de venir. Bon, un dragon méga néon, vous savez, on a fait la vidéo, ça vaut pas grand chose, quoi. Vous avez pas des pets exceptionnels. Il y a un King Monkey néon, bah ben non. Hein, voilà. C'est bien après de pouvoir faire comme ça la comparaison, parce que même vous, ça va vous aider. Hein. Bientôt, je vais faire une vidéo où je vais vous mettre les pets dans l'ordre et vous dire ce qu'ils valent. Comme ça, au moins, vous le savez. Non, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Pourtant, il y avait deux méga néons quand même. Hein. Il avait mis le paquet, le gars. Bah alors, vas-y, fais le trad. Depuis tout à l'heure, ils me font des trades et après, ils partent. Un Arctic Render méga néon, une... un Golden Ram méga néon, une licorne méga néon. Oh, oh, c'est un trad de ouf, là. Là, c'est un trad de dingue. C'est un trad de dingue, les amis. C'est... Bon, après, concrètement, là, si on se positionne, on va dire, dans une manière logique, si vous faites trois fois ces pets, vous n'avez pas un paro. D'accord? Donc là, on a 16 fois ces pets au final, puisqu'ils sont en méga néon. Donc vous échangeriez pas un paro contre un Arctic Render, une Golden Ra et une licorne. Donc ça ne vaut pas. Mais en tout cas, c'est un trat de ouf. Moi, je pense que... Ouais, on m'a jamais proposé des trucs pareils avec mon Shadow Néon. Hein. Jamais de la vie, on m'a proposé ça. En tout cas, des méga néons, on m'en mettait pas. Quoi. On m'en mettait pas autant. Là, c'est un truc de taré. Une girafe néon. Une starfish néon. Ouais, bon, forcément, hein, vous savez que la girafe néon vaut moins que le Shadow Néon, donc de base, ça vaut forcément moins qu'un paro néon. Quoi, qu'un paro méga néon, pardon, hein, autant pour moi. Deux bas de dragon néon, les amis, deux fois Fanta, deux fois Fanta. Oh là là, est-ce qu'il va accepter le trad? Oh, c'est la folie, le trad de ouf, regardez le méga néon, il y a un méga néon hall juste à côté de moi, je pense qu'il attend pour le trad. Bon, ben là, ce trad, non, hein, voilà. Je me demande si le méga néon hall va venir me faire un trad. Parce que je le vois, il est juste à côté. Regardez, il est là. Il est là, le méga néon hall. Méga néon hall, les amis. Bah, il a refusé. Bon, ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Sinon, il aurait accepté. Après, c'est peut-être son dream pet. Ou peut-être, après, peut-être qu'il a déjà le paro. Hein. Ah, mais il me demande si c'est moi. Mais c'est un abonné, en fait. Bah, ouais. Et oui, c'est un abonné, c'est dingue. Et oui, tout à fait, les amis, c'est un abonné. C'est un abonné qui a un hall. Donc, j'ai un peu discuté avec lui. Et il m'expliquait, en fait, que le méga paro valait à peu près la même chose que le méga hall, à quelque chose près. Donc, au final, c'est quand même étrange. Et c'est là que vous vous rendez compte. Quand vous voyez le hall, il vaut moins que le paro sur le papier, parce que vous faites des échanges. Mais le hall a pris énormément de valeur ces derniers temps. À un moment donné, vous pouviez échanger un hall néon contre un shadow. Maintenant, un hall néon, ça vaut beaucoup plus qu'un shadow.
Shadow. Donc le Hall a pris énormément de valeur. C'est un pet qui vaut super cher. Et il vaut peut-être même autant qu'un Paro maintenant. C'est une question à se poser. Il faudrait que je fasse le test. Mais voilà, les valeurs, elles changent tout le temps, les amis. Hein. Donc à un moment, ça vaut tant. Et après, ça vaut plus. Ça dépend des humeurs. En ce moment, tout le monde veut un Hall. Je suppose que c'est en rapport avec le fait que Kemi de Soposwat Gaming possède le Hall Néon ou le Hall Méga Néon. Du coup, tout le monde veut le Hall. Donc le Hall, si tout le monde le veut, forcément, le pet prend de la valeur. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, ben voilà, il va falloir que je galère. Mais je pense qu'il doit y avoir moyen d'échanger le Paro Méga contre le Hall. Et voilà, les amis, après de longues recherches, je suis passé directement par le Discord d'Adopt Me. J'ai expliqué à la personne que c'était pour ma fille et du coup, il a accepté de me faire le trad très gentiment. Franchement, je le remercie infiniment parce que là, Shadow, elle va être en folie, quoi. Elle va être en folie. Voilà, vous avez entendu, elle est juste à côté, là, elle a crié. Ouais, c'est son dream pet. Depuis qu'elle a commencé le jeu, c'est la folie. Voilà, elle va enfin avoir son pet qu'elle veut avoir depuis qu'elle a commencé à Adopt Me. Ça a toujours été le pet qu'elle voulait. Elle voulait avoir le soit le néon, soit le méga néon. Et là, elle est à fond, là. Regardez ça. Elle est à fond. Elle va monter dessus. Voilà, je vais lui dire merci quand même parce que franchement, il s'est gavé, là. Je vais lui dire merci. Voilà, il me dit, vous êtes un bon papa. Ben voilà, moi, je lui ai fait plaisir. Elle a eu son pet. Regardez ça comme il est beau. Le méga néon Hall. On l'évaluera ensemble la prochaine fois, les amis. Parce que ce pet, il est quand même magnifique. Et là, enfin, Shannon, elle a eu son dream pet. Celui qu'elle veut depuis le début qu'elle a commencé à adopter. J'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas, de voir cette vidéo. Vous avez vu quand même comme il vaut cher ce pet. C'est incroyable, hein. Bon, j'ai enfin réussi à l'échanger. Et je tiens quand même à remercier ce joueur qui nous a vraiment aidé en nous échangeant ce pet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Et je vous dis à la prochaine fois, les amis. Allez, ciao, ciao !